De la houlanresse et du vent offshore entre midi et deux sur la Canon Rogue. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est gris couvert, de la pluie intermittente. La température extérieure est à 20-21, la température de l'eau à 18-19. Cet après-midi, le temps est toujours prévu variable à couvert avec une température à 25. La marée, elle est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 16h10 avec des coefficients de 86. Et sur cette marée qui monte, qui monte, qui monte, ben le vent est offshore avec un secteur sud-est. Des fois, il se calme, des fois, il se relève. Donc il est modéré à soutenu. Il y a 2-3 beaufort la plupart du temps, mais des fois il se relève à 3-4. Le plan d'eau est ridé au bord, il y a du clapot sur le large, les phases de vagues sont lisses là où il est propre. C'est une houle qui n'est plus petite, parce que bon, il y a quand même un peu plus de taille, mais elle n'est pas violente non plus. C'est une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest à ouest, nord-ouest, qui est à la hausse, donnée sur la bouée du ferré à 50 cm en moyenne, ce qui maintenant en termes de taille de vague nous fait du 10-20 cm en déferlement régulier, 30 à 40 cm sur les séries qui rentrent fréquemment, et on a 50 cm sur les grossettes. La barre est facile à franchir, les vagues sont pratiques pour tout le monde. En petite planche, pour un adulte, c'est un peu juste. Pour un petit gabarit, comme on voit là, une petite crevette, ça le fait. Étonnant de voir des petites crevettes un mardi. Normalement, je ne sais pas s'il y a école ou s'il y a des vacances. Et donc, y a des bouts, y a de quoi glisser. Alors avec le vent qui est bien offshore, même si les bandes de sable ne sont pas géniaux, ça arrive à dérouler quand même plutôt pas mal. Mais ça reste quand même de petites conditions où on voit que la houle, elle a du mal à rentrer. Elle est pas, elle rentre pas fréquemment, elle est lente et on sent qu'elle est quand même bien amortie, bien essoufflée par le vent offshore. Mais ça grossit, il y a de belles lignes, c'est joli, c'est mignon, mais ça reste petit. C'est vraiment sympathique pour les apprentis, les débutants, les écoliers là qui dans l'eau s'extasient dans des conditions qui sont faciles. Hein. Sur un plan d'eau qui est tranquille, voilà, ils arrivent à surfer sur des vagues faciles, qui arrivent à dérouler. Mais sinon, pour un surfeur qui veut mettre des manœuvres, là, c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Avec une planche adaptée, ça le fait, mais les vagues, elles sont pas violentes, c'est lent, c'est mou. Voilà, il y a quand même de quoi glisser, la note c'est la même, hein. Ça vaut 0,5 sur 5. Et puis avec la marée qui monte, là, on commence à avoir déjà pas mal de spots qui peinent à casser, avec déjà un peu de bacouage des fois sur certains. Et au fur et à mesure que la marée montera, il n'y aura pas des vagues partout. Donc c'est joli, c'est mignon. Là, dans les vidéos, vous avez les meilleures vagues sur les séries, mais ça ne rentre pas fréquemment. Hein. Attention, c'est pas fou. Il y a quand même de quoi glisser sur les meilleurs bancs. Plus au nord, au sud, c'est là où ça se passe le mieux. À la centrale, c'est là où ça se passe le moins bien. Mais bon, il y a quand même de quoi glisser, mais c'est pas intense, quoi. Loin de là. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va continuer de pousser encore un peu plus à la hausse, même si la bouée du ferré est stationnaire. Celle de la pointe Bretagne est à la hausse à 1 mètre et 10 secondes. Pour ce qui est du vent, il est prévu offshore cet après-midi, m'a confirmé, c'est pas certain. Les prévisions à 17h, c'est 50-70 cm, ou d'ouest à ouest, nord-ouest en seconde de période, bon, sud-est de 3. Attention avec la marée haute associée à des coefficients assez importants, on aura beaucoup de spots inconsistants et des vagues surfables uniquement sur les meilleurs spots de marée haute et qui devraient être propres, même si l'indice de confiance est faible pour le vent cet après-midi. 25 degrés dans l'air, 18 degrés dans l'eau. La dernière fois, on a eu un petit vent faible et variable, quoi. Ça tournait côté. Mais bon, il y aura un peu plus de taille cet après-midi, mais pas partout. Il n'y aura pas des vagues partout. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. En vous souhaitant une bonne journée.